Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pathfinder, la fureur des justes. Alors, on avait guérison suprême, on va soigner l'âne déjà vite fait. Ouais, on a toujours les gros buffs, méga buffs de trucs, on va les garder parce que bon, on les a, hein. On va pas s'embêter. On peut sortir de cette zone parce qu'on a, c'est bon, on a terminé l'énigme pour Nenyo, enfin. Ça a été rude et long, cet épisode, enfin cette série d'épisodes. Alors les autres sont lents, c'est ça? Ouais, non, normal. Ok. Donc il faut qu'on aille faire la tisseuse de cauchemar. Je pense qu'on va peut-être commencer par ça. Ou alors, on fait la quête de compagnon de Scylla. On va voir. Ah oui, d'accord, tu m'as fait peur Valérie, parce que je me disais non, ça m'étonne que Distant World 2 ait des modes de vaisseau déjà. Hein. Ok, je pense qu'il faudrait qu'on fasse une téléportation de groupe. Alors on avait aussi les trucs de l'énigme à terminer. Hein. Non, ça c'était la poursuite du passé, c'était les secrets de la création. Ouais, l'ultime voie, les secrets oubliés, on avait... Mais je crois qu'on n'avait pas débloqué tous les éléments pour le faire. Ouais, les 4 lignes. Donc on a l'antre de la tisseuse de cauchemar. Juste à côté, on a le truc de la reine Gallifrey. Où est le truc de Scylla? Par contre, je me rappelle plus. Il est pas tout en bas. Si, c'est ça. Roc de la pierre tombale. Est-ce qu'on peut se téléporter au donjon du tyran? Attends, d'ailleurs, on a des choses à faire. Donc j'y pense. Enchanter le masque. Alors, on peut purifier l'esprit de Lirk Han. Chaque jour, ce bandeau de réflexion mentale plus 4 permet de relancer 3 jets de sauvegarde ratés contre des effets de mort. Ou invoquer les victimes du voleur de visage. Lorsque le porteur de ce bandeau de perfection mentale plus 4 lance un sort de niveau 9, les ennemis à moins de 30 pieds doivent réussir un jet de volonté sous peine d'être incapables de lancer des sorts pendant un round. C'est pas mal ça. C'est mieux, je trouve, que de relancer des jets de sauvegarde. Remarque, c'est contre les effets de mort. Les effets de mort, c'est pénible, non? Ah ouais, remarque. Non, oui, ouais, non, non, c'est pas mal, en fait. Oui, on va prendre ça. Ok. Ensuite... Ouais, on avait pas mal d'enchantements à faire encore, c'est ça? Ok, j'ai déjà un décret lié pour ça. Allez, la branche du dernier frêne, c'est parti. Salut, salut Chansey. Non, non, on vient juste de commencer, on a quasiment rien fait pour l'instant. On est juste sorti de la zone où on était. Côté campagne, on n'avait pas de... Non, on avait personne. Enfin, il n'y avait pas d'armée démoniaque. Ok, donc comme je disais, il faudrait qu'on aille... Surveillance des terres de Yat. L'idéal serait le donjon du tyran, mais ça m'étonnerait qu'on puisse... Non, il n'y a pas, ouais, parce qu'il faut que ce soit agrandi. Après, sinon... Le tombeau du nécromancien. Mais il n'est pas disponible non plus. Ouais, c'est ça, c'est surveillance des terres de Yat, en fait, le plus proche. Hein. Allez. Ah, c'est la journée qui vient de passer. On va pouvoir se reposer à un moment donné aussi. Hein. Et ils sont tous insensibles à la fatigue en fait. Hop, si, il y a des armées. Ok, alors on avait dans... Oula. Ah. Mais... Ah putain, mais il a jamais fait les mouvements de ses troupes alors qu'on a passé du temps. Ça c'est débile. Il aurait dû le faire... même si on l'a pas fait nous, quoi, tu vois. C'est quoi cette armée? D'où est-ce qu'elle sort?
Attends, j'ai pas d'officier supérieur de dispo. Ok, parce que ça doit aller à Lost Angelic si possible. Non mais... Très bien qu'ils finissent les mouvements. Ok. Attends, mais toi... Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah putain. Ok, donc tu te déplaces jusqu'ici. Ok, donc ça c'est notre armée de croisés qui doit aller rattraper ces gens-là là-haut. Parce que je pense qu'ils vont attaquer le campement des seigneurs des mammouths, non? Ok. Et après on a notre armée de croisés ici et il faudrait qu'on intercepte ce monsieur. Donc il faut qu'on passe par là-haut. Ok, ça c'est bon. Et toi, tu dois rejoindre Lost Angelic. Ok, donc ça c'est fait. Pendant ce temps-là, nous on va à la pierre tombale. Ok, là ça y est, cette fois-ci ils sont fatigués. Ouais, ils sont même épuisés là. Donc on va se reposer. Ok. Donc let's go. Entrer dans la zone. Alors, ah ben, on n'a même pas de quoi se buffer avant de commencer. Nous y voilà enfin. Depuis le début, je suis morte d'inquiétude. Je ne peux pas m'empêcher de penser à ces âmes volées. Salutations commandante. Et là on vous salue de la manière d'un soldat, il est calme et parle d'une voix assurée. Avec Scylla vous avez déjoué le plan des démons et protégé la femme d'Elan, le sauvant ainsi du désespoir. Yes. J'ai surveillé les lieux comme vous l'aviez ordonné. Les âmes emprisonnées sont ici, ça ne fait aucun doute. J'ai pu voir les bijoux. Mais l'endroit est bien défendu, nous allons devoir nous battre pour y entrer. Oui, ce ne sera pas qu'une petite escarmouche. On dirait que tous les fanatiques de la plaie se sont réfugiés ici depuis leur défaite à Canabres et Drezen. Janna se tient à côté d'Elan et tente de paraître sûre d'elle, vous voyez qu'elle veut faire ses preuves, qu'elle fait de son mieux pour regagner la confiance du groupe. Où sommes-nous? Qu'est-ce qui nous attend ici? Il semble que ce soit un repère de ces misérables larbins de Baphomet, dit Scylla en montrant quelques symboles familiers. Je le savais, j'étais sûr qu'ils étaient derrière tout ça. Ces manigances étaient trop élaborées pour venir des fidèles de Descari. Nous faisons donc face à des fanatiques, des démons, la routine en somme. Permettez-moi d'ajouter une chose, Darek Solmartel est ici. Je l'ai vu à l'entrée de la grotte, il détenait les âmes prisonnées, ou plutôt les bijoux qui contiennent les âmes emprisonnées. Il observait les différentes pièces en tenant des pierres précieuses à la lumière. Je pense qu'il admirait son œuvre. Il semble clair qu'il joue un rôle important au sein du culte, ce qui veut dire que nous pouvons nous attendre à affronter un adversaire redoutable. Nous retrouverons les âmes volées. Et nous collerons une bonne raclée à ces fanatiques au passage. Les salopards vont payer pour ce qu'ils ont fait. Nous allons rester ici et garder l'entrée pour éviter que l'on vous prenne à revers. Mais si vous avez besoin d'aide, nous viendrons immédiatement. Vous pouvez compter sur nous. Plus jamais je ne tournerai le dos à mes amis. Scylla sourit à ses deux amis. Pour la Ligue du Joyeux Chariot, je suis si heureuse de vous voir tous les deux ici. Tous ensemble, à la rescousse. Ok, alors. Déjà, on va faire buff normal. Ok. Je pense que c'est tout ce dont on a besoin. On verra si on a besoin de faire un autre buff derrière. Ok, donc on a juste à rentrer. J'espère que ça va pas être un méga donjon super, super grand. Bon, déjà on a deux golems de défense. Ouais, alors ça a l'air d'être un donjon, mais il a pas l'air d'être méga grand, on va dire. Oh, joli. Alors par contre, pourquoi il est pas mort? Je voulais tuer avec une attaque spéciale. Ouais, voilà. Ah,
Ah non, c'est le démon des ombres, d'accord. Bon, Nenio, j'ai pas grand chose à te faire faire pour l'instant. On va pas dépenser tes sorts, ce serait dommage. Voilà. Ok, donc pour l'instant, on a juste une porte qui va en face. On va juste faire le tour de la pièce avec l'âne. C'est bon. Où est-ce qu'il est parti? D'accord. Ok, bon, on va aller sur la droite. Ouh. Ok. Alors, Aru. Problème, c'est qu'il devrait y avoir... Ok, alors déjà, il y a celui-là. Ok, non, il n'y a pas d'ennemis. Échec du test de perception. Ok. Il y a un mob. Ah! Il y a quelque chose qui nous a, qui s'est ouvert derrière nous. Ah oui, ouais, ils sont deux même. Saloperie. Bon, lui, il a peur. Ouais, on peut faire ça parce que ça va toucher les deux. Pas mal. Ah, ils ont beaucoup de PV, hein, ces saloperies. Hein. Ok, on va finir celui-là. Parfait. Ouais, ils attaquent de... Ah, j'ai vu autre chose aussi. Putain, les coups critiques. Pas trop ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Oh, le joli coup critique. Oh, le 1 versus 2 quoi. Boum. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a par ici? Il y a du loot. Ok. Ok, on avait... Non, le piège n'avait pas été désarmé. Parfait. Ok, je crois qu'on y est. Darek Solmartel. Maître Darek semble aussi amical et poli que le jour où il vous a accueilli pour la première fois dans sa bijouterie à Dresden. Sa tenue est toujours aussi luxueuse et raffinée, mais elle arbore désormais un symbole de Baphomet incrusté de pierres précieuses. Une ombre gigantesque plane à ses côtés. Un démon, peut-être celui qui a dérobé les bijoux lors du mariage d'Elan. Ah, la commandante victorieuse et sa vaillante compagne. J'étais certain que les abysses vous avaient englouti. Ma foi, la vie est faite de désillusions. Les fanatiques sont tellement bavards de nos jours. Laissons tomber les petites confidences et passons aux choses sérieuses. Calavacus, maraudeur supérieur mythique. Le démon aux côtés du maître Darek éclate d'un rire mauvais. Mais enfin, brave paladin, ne souhaitez-vous pas savoir à qui vous avez réellement affaire? Il est bien plus qu'un simple fanatique ou un adorateur de démons. Vous faites face au grand maître des Templiers du labyrinthe d'Ivoire. Oh, grand maître templier du labyrinthe d'Ivoire. Labyrinthe d'Ivoire, c'est le truc de Baphomet, on est d'accord. Hein. Du coup, ok.
Eh bien, moi, je suis celle qui a tué Baphomet. Vous ne l'avez pas tué, pas définitivement, du moins. Vous l'avez simplement vaincu, une fois. Un exploit considérable, certes. Mais si vous vous attendiez à ce que je sois impressionné ou intimidé, je crains de devoir vous décevoir. Je ne pleure pas la disparition provisoire de mon maître, car sa défaite ne représente rien de plus qu'un revers. Bien que nous soyons contraints de battre en retraite, nous revenons toujours, comme la marée. Et même la mort définitive du seigneur Baphomet ne saurait faire vaciller mes croyances. Savez-vous pourquoi les abysses sont si beaux ? Parce qu'ils engendrent de nouvelles créatures pour remplacer les anciennes. Ils se maintiennent dans un cycle éternel, immuable, produit du chaos et du mal, et ne cesseront jamais d'exister. Explique-t-il d'une voix pleine de ferveur et d'admiration. Puis il ajoute « Si le seigneur Baphomet est détruit, je me trouverai un nouveau maître, tout simplement. » J'ai quelques questions à vous poser, grand maître. Demandez tout ce que vous voulez. Il se pourrait même que je vous réponde. Mais nul besoin de vous adresser à moi de la sorte. Bien qu'impressionnant, mon titre n'est qu'honorifique et n'impose aucune obligation. Ce qui, je ne vous le cacherai pas, n'est pas pour me déplaire. Donc vous qui avez mené les Templiers du labyrinthe d'Ivoire à la bataille. Au risque de vous surprendre, non, ce n'était pas mon rôle, répond le nain avec une étonnante franchise. Les généraux démoniaques comme Géribeth et Minago ont rendu mes interventions superflues. Ce sont eux qui mènent les troupes dans la plaie du monde. Je me suis rendu compte que je ne pouvais rivaliser avec eux et me suis donc éloigné des opérations militaires pour me concentrer sur mes propres affaires. Et ce sont ces mêmes affaires qui ont conduit nos chemins à se croiser. Pourquoi voler des âmes ? Ai-je besoin d'expliquer ? Je voulais répandre la terreur dans toute la cité. Le vol d'âme était un moyen redoutable de forcer les gens à agir selon mon bon vouloir. Au fil des ans, je me suis forgé une solide réputation dans la haute société du Mendev. J'étais connu de tous et on s'arrachait mes créations. Puis petit à petit, j'ai commencé à distribuer la joaillerie démoniaque avec parcimonie. Je savais à qui vendre des babioles inutiles et à qui offrir quelque chose de spécial. Puis j'ai donné l'ordre aux démons de passer à l'action. Tous mes bijoux étaient pourvus de pierres précieuses destinées à piéger les âmes. J'ai ordonné aux démons de capturer les âmes des propriétaires des bijoux et de me les rapporter. Dans tout le Mendev, des dizaines de mortels ont soudain été pris au piège. Tous leurs amis et leurs proches se sont retrouvés seuls avec leur chagrin. Face au corps sans vie de leurs enfants ou de leurs bien-aimés, ils se sont accrochés à l'espoir que peut-être un jour, il y aurait un moyen de les ramener. Et c'est à cet instant que j'ai frappé. J'ai menacé, j'ai contraint, j'ai apporté de l'espoir, j'ai fait tout mon possible pour anéantir votre croisade de l'intérieur. Si vous étiez resté dans les abysses un peu plus longtemps, ne serait-ce que 2 mois, le Mendev vous aurait réservé un tout autre accueil. Vous seriez revenu en pleine guerre civile. J'ai rencontré toutes sortes de monstres, mais aucun d'entre eux n'était aussi prétentieux. Oh, brave, brave paladin, dit Maître Darek d'une voix douce, presque sympathique. Vous ne savez rien de ce monde et n'en comprenez pas plus. Qui est ce démon qui se tient à vos côtés ? Galavacus, le démon ricane joyeusement. Vous ne me connaissez pas, mais moi je vous connais. Nous sommes rencontrés plusieurs fois, mais il n'est pas étonnant que vous ne me reconnaissiez pas, car je possédais ce cher Frison, votre ami aux mains agiles et à la cervelle vide. Ah, c'était le gnome. Comment Scylla, Frison et les autres se sont-ils retrouvés mêlés à cette histoire ? C'est résultat d'une série de coïncidences plutôt absurdes. Tout a commencé lorsqu'un certain chevalier, ivre d'amour et de passion, est venu acheter une bague pour sa future épouse. Il était prêt à payer une somme exorbitante. D'ordinaire, je ne perds pas mon temps avec les petites gens, mais sa fougue et la vigueur de son amour ont fini par me convaincre. Sans parler du fait qu'il appartenait à cette bande de laquais Diomédae et à la droiture nauséabonde. J'ai donc décidé de lui confectionner un anneau démoniaque, un travail que j'effectuais avec le plus grand plaisir, sachant qu'il réaliserait un jour qu'il avait offert un cadeau meurtrier à sa bien-aimée et qu'il devrait vivre avec la culpabilité d'avoir condamné celle qu'il aimait le plus à un funeste destin. Eh bien, merci pour cette précieuse leçon de vie. Je peux vous assurer que ce chevalier à la droiture nauséabonde l'a prise à cœur. Je pensais que vous étiez un maître des intrigues, rusé et calculateur, mais finalement, je ne vois que de la cruauté en vous. Vos machinations n'ont rien de spectaculaire, elles sont simplement un prétexte pour faire souffrir les gens. Plus vous parlez, plus j'ai envie de vous tuer. Chaque mot vous approche un peu plus de votre mort inévitable. Mais je ne vous ai pas encore raconté le meilleur, brave paladin. La coïncidence la plus absurde qui soit, Frison l'alphelin. Savez-vous que mes Templiers l'avaient recruté ? Il est notre informateur depuis bien longtemps. Vous mentez. Pas le moins du monde. Les condamnés sont des proies faciles qui nous offrent une réserve inépuisable de nouvelles recrues. Unité militaire composée de criminels considérés comme peu dangereux, ils sont recrutés comme chars à canon et jetés en première ligne des rangs des croisés du Mendev. Ouais. Leur faible valeur est compensée par leur grand nombre. Nous avons recruté Frison lorsque nous préparions l'attaque de Canabres. Si cela peut vous consoler, cet imbécile n'a pas vraiment embrassé la cause de Baphomet. Il a refusé de jouer les espions pour nous, mais une bonne frayeur a suffi pour lui faire entendre raison. Nous l'avons à peine torturé.
Il a continué à espionner pour notre compte tout en rêvant de s'échapper. Il s'accrochait à l'espoir qu'il finirait par réussir à fuir, qu'il pourrait mettre derrière lui non seulement les Templiers mais aussi les Croisades. Il voulait partir loin, très loin, là où jamais personne ne le trouverait. Et un jour, par hasard, il a découvert l'existence de l'anneau que Maître Darek avait donné au stupide chevalier Elan, l'anneau dans lequel j'étais caché. Le démon pousse un petit ricanement malveillant. Cet imbécile l'a pris pour un artefact d'une valeur inestimable. Il pensait pouvoir le revendre et commencer une nouvelle vie ailleurs avec la somme obtenue. Il s'est donc rendu au campement déserté, s'est emparé de l'anneau, m'offert son petit corps agile ainsi qu'une bonne occasion de m'amuser. C'était tellement divertissant de dresser le brave paladin et son ami chevalier l'un contre l'autre. Rendez-nous les âmes, je vous laisserai partir. Non, je ne crois pas. Je ne vous laisserai pas anéantir tous mes efforts. Je n'ai pas d'autre choix que de vous affronter, commandante. Mes chances ne sont peut-être pas optimales, mais c'est un risque à prendre. Regardez vos amis, braves paladins. Regardez la commandante. Le plus grand espoir de la croisade. Vous les avez tous conduits à leur mort. Vaincre d'Alex Solmartel. Oula. Ah, c'était un petit sirocco. Alors la Lilithu, elle est partie en courant. Ok, alors Daeran a pris 118 dégâts après réduction. 57 de CA, 40. Ok. Donc l'âne déjà. Voilà, moi aussi je peux faire des dégâts. Did you see that? 3 critiques, ça va. Ok. Alors Adada. Adada, tu vas me le finir avec un coup de rayon de feu infernal. Voilà. Ça c'est fait. On va faire une petite rapidité. Allez. Ok. Toi tu me fais un jugement. Et tu attaques. Ok. Alors les dégâts réduits. Et ok. Difficulté de... Ah putain, il faut que je vire Nenio et que je reprenne... Je me disais, il y a un truc bizarre. Joli. Beau du con. Ah ben voilà. Oh merde. Oh, je sens qu'elle va être chiante à buter elle. Ouais c'est ça broussage, j'ai pas percuté, il faut que je récupère Tizone ouais. Non mais elle est pas morte là. Voilà. Cette fois c'est la bonne. Ah, Maître Darek Solmartel est gravement blessé mais il ne perd pas son aplomb. Même face à la mort, il reste calme et digne. J'ai fait une erreur, semble-t-il. Je n'aurais pas dû vous combattre. Mais je ne regrette pas d'avoir pris ce risque. Il se tourne vers Scylla, une lueur malveillante dans les yeux. La commandante se trouve peut-être à vos côtés, paladin, mais regardez-vous. Regardez ce qui vous avez pris sous votre aile. Dit-il en se fendant d'un sourire antipathique. Vos amis ne sont rien de plus qu'un voleur, une froussade et un lourdeau obstiné. Vous avez été incapable de les unir ou de les pousser vers la grandeur. Au contraire, vous n'avez fait qu'empirer les choses. Et pourtant, vous vous empressez de me reprocher tout ce qui s'est passé comme si c'était entièrement de ma faute. D'une manière ou d'une autre, je suis responsable de tous vos malheurs. Mes machinations diaboliques vous ont gâché la vie. Vous croyez qu'en débarrassant le monde des créatures maléfiques telles que moi, vous en ferez un paradis. La vie sera enfin juste et équitable. Tous les peuples seront unis par les liens de l'amitié. Il éclate d'un rire grinçant, puis se tait à jamais. Scylla fixe le corps sans vie de Darek, elle respire bruyamment, mais il est difficile de savoir si ce sont les séquelles du combat ou si elle est submergée par l'émotion. Est-ce terminé? Nous sommes-nous débarrassés du mal? Jana Aldori, ordure de fanatique, même aux portes de la mort, il continue à cracher son venin. Jana s'interrompt, prise d'une soudaine révélation. Attendez, nous avons gagné, n'est-ce pas? Nous avons accompli notre mission? La joie illumine ses yeux tandis qu'un sourire incrédule apparaît sur son visage. C'est sans importance. Il a essayé de contaminer nos esprits, mais ses mots étaient creux. Il a échoué, commandante, Scylla. Je me suis montré dur avec vous. J'ai tenu des propos que je regrette, alors que je n'aurais jamais dû douter de vous. Cette victoire aurait été impossible sans votre aide.
Scylla écoute en silence, puis alors se tourne vers vous, le regard interrogateur. Ne faites pas attention à ce qu'il raconte. Pour croire, croiriez-vous les inepties d'un fanatique? Scylla affiche un sourire sombre. Oui, vous avez raison. Nous en discuterons plus tard. Après avoir looté le corps du monsieur, en l'occurrence. Scylla ramasse le pot de bijoux et verse son contenu dans une bourse. Dans le sac, les pierres précieuses brillent d'un éclat maléfique. Nous avons les âmes. Je les garderai sur moi jusqu'à notre arrivée à Dresden. Allons-y, Gabriel. Je ne veux pas m'attarder ici plus longtemps. Ok. Bon, déjà, il va falloir qu'on sorte. Il va falloir qu'on loot. Ouais, ok, merci. On va passer à Dresden parce que ne serait-ce qu'il faut que j'aille voir un marchand, moi. Petite amulette, des racines profondes. Bonus d'altération d'allure naturelle de plus 5 à la CA. Également immunité au renversement et aux bousculades, ainsi qu'un bonus d'appui de plus 3 à CA contre les ennemis de taille très grande ou supérieure. Alors, qui c'est qui se fait renverser de temps en temps, que j'aimerais éviter qu'il se fasse renverser? Ah non, les deux, ils ont la moitié de la paire, hein, ces deux-là, donc c'est pas possible. Ouais, celui-là. Ouais, armure naturelle plus 6, on descend à plus 5. Avec ça, mais au moins, il est, il peut pas tomber, quoi. Ça, c'est pas mal. Alors, on a la note du bijoutier. Ok. Une gemme rouge. Le marteau de maître. Ok. Chemise en mitral normal, ceinture de forme physique. Ah, attends, forme physique plus 6, c'est quoi? C'est dex et constite. Intelligence plus 6, armure naturelle plus 5, anneau de protection plus 5. Arnaud d'artisan renommé. Bonus d'aptitude de plus 12 au test d'érudition mystère, c'est qu'un bonus de plus 5 au test de création de potions et de parchemin. Ça, ça irait bien à Nino, justement, tiens. Et la cape de résistance plus 5. Ouais, le truc de... Ouais, non, lui, il a la charge tonitruante. Lui, il a l'étreinte de corruption. Elle, elle a déjà une forme physique plus 6. Elle, elle a la perfection physique plus 4. Mais c'est force d'ex-const. Alors que là, c'est juste d'ex-const. Lui, il a... Ouais, non, mais ça, c'est un truc de la saillant, hein, donc il vaut mieux garder ça. Elle, elle a la force de géant. Ouais, forme physique à la place. Après, lui, il a flux physique. Force et dex, autant lui donner ça du coup. Voilà. Et... Ouais, alors je sais, j'ai vu, ça faisait... Alors ouais, il y a ça qui donne plus 6 à la constite. Et lancer plus de sorts de soins. Ouais. Tant pis. Le démon. Ouais, une armure de potion d'armure de mage. Ok. Et donc a priori c'est bon. Alors il nous reste quand même à aller voir ce qui se passe de l'autre côté par là. Ouh, on s'est arrêté juste devant le piège. Ah, nous avons... Nous avons un petit... on dirait qu'il y a un miroir en face. Méditez sur vos erreurs. Ça pourrait vous faire sentir mieux. Ok. Alors attends, qu'est-ce que ça peut être? Ah putain mais... Est-ce qu'il y a une... Bon ça c'est les bijoux. Dans cette pièce peut-être? Ah, la note sur le cadavre.
Alors, la chalcédoine est une pierre bien trop souvent sous-estimée. Sa couleur évoque les teintes bleu pâle d'un épais manteau de neige, tout comme les chaleureux éclats dorés de l'ambre rappellent les fleurs d'automne. Un bijoutier expérimenté reconnaît les attributs saisonniers de ces couleurs, mais n'hésite pas à les réinterpréter. Pourquoi ne pas commencer l'année en hiver, puis passer à l'automne? Pourquoi l'automne ne serait-il pas suivi du printemps? L'été pourrait être la dernière saison, ce qui inverse le cours du temps. Donc, hiver, automne, printemps, été. Hiver, automne, printemps, été. Ok. Donc, hiver. Bon, je sais pas si ça c'est l'hiver. Ça, ça doit être l'automne. Printemps, été. Non. J'ai pas les bonnes couleurs. Ah, bleu pâle, épais manteau de neige, comme les chaleureux éclats dorés de l'ambre rappellent les feuilles d'automne. Donc ok, rouge. Non, ambre. Ambre, c'est l'automne. Bleu, c'est l'hiver. Dans ce cas-là. Donc du coup... Hiver, automne, donc ça fait bleu, bleu, ok, bleu, or, donc bleu, or. Été, ça doit être rouge, donc on va faire vert, rouge. Non. Si. Ha ha. Attends, parce qu'il pourrait peut-être y avoir des mauves ici. Non, y a rien. Par contre, l'âne. Ah voilà. Ouais, un pavois. Ce pan de mur est indébutablement une porte dérobée, inutile d'être grand cœur pour remarquer qu'il n'a pas la même apparence que ses voisins ou pour trouver son mécanisme d'ouverture. Si vous lisez ce message, c'est que j'ai certainement péri. Même après ma mort, j'ai réussi à vous attirer dans mon piège. La cupidité est un bien vilain défaut. Ah merde. On va être enfermé. Ah non, il a juste un démon. Oula. Ah, c'est un gros truc mythique. Oh, il a que 29 de CA. Hein. Bah, il est mort. Attends, il a des... Ah ouais, il y a des copains dans la pièce. Pourquoi elle a pu faire deux fois deux attaques? Ah ok. Ah parce qu'il est, invisible lui. Ta Nenyo elle est vraiment lente hein. Voilà.
Bien que dépourvu d'aura magique, ce miroir à manifestation est accroché là pour une bonne raison. Hop, attends. On peut utiliser le sort d'apprenti. Ok. Ok. Ok, un miroir. Je vais positionner ces deux ici au cas où il y a à nouveau une attaque. Ah mais non, ok. Attends, le mécanisme au mur étant... Le mécanisme sur la rotation du mur grince fortement lorsqu'on appuie dessus, on dirait qu'il est enrayé. Ah. Pourquoi il y a un miroir dans ce cas-là? Bon, moi je vois mal comment on peut exploiter le miroir. Y a une autre énigme en fait, parce que Louisama a dit c'est une énigme en deux parties. Parce que bon, je veux bien, il y a deux miroirs. Hein. D'avoir quelque chose avec cet autre miroir ou... Est-ce qu'il y a autre chose dans une autre pièce? Ah, comme j'ai eu le combat avant de faire la séquence avec les symboles, c'est foutu. Ah! Ah! Ok. Bon bah tant pis alors. Ok, bon, on va faire une petite pause ici. Et on va se retrouver au prochain épisode à Dresden du coup. Donc merci à tous d'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour la suite de l'aventure. Salut à tous.